Mais c'est le Supo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire le ménage de ma cuisine. Si vous n'avez pas encore vu la première partie où je faisais le ménage de mon salon, je vous mettrai le i juste ici. Alors je commence d'abord par nettoyer mon placard. Donc c'est là où je mets la plupart de mes produits ménagers, donc où il y a les sacs poubelles, etc. Alors, je commence déjà par mettre mes gants, mais bon, après, je vais vite les enlever parce que ça me gênait un peu pour faire le ménage. Mais bon, c'est toujours important de mettre des gants. Je vais commencer d'abord par nettoyer pour enlever tout ce qui est comme saleté. Voilà, et ensuite, je vais vaporiser du Airtel et frotter un peu pour enlever les taches qui sont un peu incrustées. Alors après cela, je vais venir faire ma vaisselle. J'avais juste fait une pause pour donner à manger à bébé. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, partager, liker et commenter. Ici sur ma chaîne, je fais des vidéos de lifestyle, donc ma petite vie de maman. Je parle de mes cheveux, mes locks et plein d'autres choses. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Autour du frigo. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas nettoyé mon frigo, donc je vais le vider totalement et bien le nettoyer. Pour nettoyer mon frigo, j'utilise simplement de l'eau avec du liquide vaisselle et une petite éponge pour frotter un peu les petites taches. Si vous avez une autre méthode, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Après avoir bien nettoyé mon frigo, je vais ranger tout ce qu'il y avait à l'intérieur.
Après le nettoyage, j'avais quasiment plus rien dans mon frigo, mais vous inquiétez pas, mon mari était allé faire les courses, donc il va rentrer tantôt avec et je vais pouvoir ranger tout ça. On passe à la table. Avec l'arrivée du bébé, elle est toujours remplie de plein de choses, stérilisateurs, biberons, nourriture pour bébé, etc. Donc là, je prends le temps d'enlever tout ce qu'il y a dessus et je viens nettoyer avec encore mon Airtel et un chiffon microfibre. Alors là, monsieur est arrivé avec les courses, il y en avait tellement, vous-même vous pouvez le voir. Donc, je vais ranger tout ça. Oh là là, le Vimto. Levez la main s'il faut, si vous aimez cette boisson-là. J'aime tellement. Oh là là, je peux pas m'en lasser. Et voilà, le frigo est rempli, en tout cas pour la semaine à venir. Donc là, je vais m'occuper des fruits. Il avait acheté plein de fruits, des oranges, des clémentines, des poires, des ananas. Donc on introduit bébé à manger les fruits, donc c'est pour ça qu'on en a tellement. C'est aussi pour nous, mais beaucoup plus pour bébé. En parlant de bébé, là je suis en train de découper des morceaux de pastèque pour lui. Il a tellement aimé ça. En passant, si vous avez des idées de vidéos ou si vous souhaitez que je parle d'un sujet en particulier par rapport à la maternité, n'hésitez surtout pas à le laisser en commentaire et je ferai une vidéo pour ça. Si vous me voyez avec ce gros manteau, c'est parce que je suis descendue avec les poubelles, donc le recyclage. Thank you.
pour nettoyer mon sol, juste de l'eau et du Airtel, c'est tout. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter et surtout abonnez-vous. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!